Voilà. Faut pas s'arrêter comme ça. Ouais, donc là on est dans la première côte, donc en fait on fait 1300 de dénivelé sur 13 km, donc ça monte bien bien fort et bien longtemps. On est à peu près tous ensemble, c'est cool, mais le point de vue est juste, là je me pète la gueule, mais le point de vue en vaut la peine, franchement c'est super beau, mais ça monte vraiment très fort et ça s'arrête pas. Ouais, quand je disais que c'était beau, c'est quand même salement beau. Allez, direction premier sommet. Bon, je profite du calme pour faire un petit résumé de la course. Là, ça remontait très fort, 1300 mètres pour 13 km. En fait, ça monte très fort, puis ça redescend très fort, puis ça monte très fort, et puis ça redescend très fort. Donc, ouais, franchement, c'est très bien, c'est magnifique. Je pense que Rap est juste derrière. Ouais, je crois. C'est marrant parce qu'il y a déjà beaucoup moins de monde. Donc c'est vraiment calme, donc c'est vraiment cool aussi. Et c'est vraiment beau. Et quand tu te dis que tu as déjà monté ça, c'est déjà pas mal en fait. Et puis après, tu te dis, mais non. Et donc ici c'est la troisième bosse, vu qu'on a mis une heure et demie à monter. On était, bah ouais, on est parti de là-bas en dessous. Hein. Ah carrément, ouais, mon sens de l'orientation est moins. Non. Ah c'était beau. Alors oui, il y a quand même un peu de descente. C'est dur. Oh là là là. À part ici, là, vraiment, il fallait que je le dise maintenant. Ah bah voilà, c'est pas là qu'on va aller. C'est technique à mort, c'est casse-gueule. C'est beau. C'est chaud, chaud. Mais c'est magnifique, mais c'est chaud, chaud. Alors voilà, là, donc on sort du ravito du 24e kilomètre. On vient de quelque part là,
et on va sûrement se monter un de ces trucs. Je sais pas si comme ça en vidéo on voit que c'est impressionnant, mais franchement, quand on pied ce truc, c'est vraiment très impressionnant. Allez, c'est reparti. Bon, là on vient de monter, là où je vous montrais tout à l'heure en partant du ravito au plein cagnard, c'était super dur. Alors apparemment là c'est la France et là c'est la Suisse. Donc c'est magnifique, mais putain que c'était dur là, il est super chaud. Il manque plus que 20 km et probablement ça. Heureusement pas ça. Donc ouais, là il reste 20 bornes. Donc allez, on va te quitter l'avant-dernier ravito. Donc on a déjà commencé à entamer la dernière montée qui devrait faire un truc genre 1000 mètres. Et puis après ça va descendre. Mais bon, ça va être costaud quoi. Je sais pas si on va t'exposer ou pas. Mais ouais, ça va être dur. On le voit, le dernier sommet, il est là. Putain, on voit les mecs là-haut, là ils sont tout petits. Oh putain. Punaise, on arrive enfin au-dessus de cette dernière côte là. Tout à l'heure quand je montrais le sommet, c'était pas du tout le sommet. C'était... Il y en avait deux qui étaient cachés derrière. C'était infernal. Tellement c'était long. Mais un truc de fou. Avec le soleil dans le dos. Voilà. C'était la folie. Quand j'ai vu le deuxième sommet apparaître. Et puis après le troisième. J'ai fait, mais c'est pas possible, c'est le bout de ma vie quoi. Mais là, wow. Putain, c'est beau.